des sables bitumineux qu'on appelle aussi le pétrole sale. On est plusieurs groupes à travers le Québec à contre l'arrivée des pipelines. C'est le projet Énergie-S de TransCanada. C'est le plus gros projet, le plus imposant en Amérique du Nord. Le Québec n'a pas juridiction dans un dossier qui passe sur son territoire. Le pétrole de l'Alberta, sa composition et sa façon d'être produit en fait le pire problème environnemental qu'on connaît au monde. Qu'on le prenne sur Anticosti, qu'on le prenne en Alberta, qu'on le prenne ailleurs dans le monde, ça a toujours un impact écologique, c'est certain. Quand il y a un environnement qui a été souillé comme la Louisiane et le golfe du Mexique, la chance qu'on a d'avoir quelque chose d'une richesse comme le golfe Saint-Laurent, il faut se poser des questions là, sérieuses. Sans pipeline, il n'y a pas d'expansion des sables bitumineux. Alors actuellement, au Québec, on a un rôle très important à jouer. On n'est même pas en train de questionner qu'est-ce qui passe à travers cette pipeline-là. L'essence du Québec, c'est l'énergie propre. Si on bloque ce projet-là de port pétrolier, TransCanada, présentement, n'a pas d'autre alternative. Tant qu'on va résister, ça ne sera pas Kakuna.